C'est pas vrai. Yann. Vous reconnaissez? Ah bah ouais, je le connais, ouais. C'est un vrai ami ou pas un vrai ami? Bah ça aurait pu être un vrai ami. Si, ah. Ouais. Mais c'est pas un vrai ami? Non, c'est pas un vrai ami, non. Vous avez parlé tout à l'heure de fidélité, puis... Il y a eu une cassure entre vous? Il y a eu une cassure. Yann, est-ce que vous voulez dire ce que vous avez à dire et est-ce qu'Arnaud peut l'entendre? Ce ah. qu'Yann est venu vous dire ce soir? Oui, je veux savoir ce qu'il veut me dire. Ouais. Oui. À vous, Yann. Arnaud, je vais te dire bonjour pas mal de mois qu'on s'est pas vu. Je voulais te... Enfin, ce que j'ai envie de te demander ce soir, c'est qu'on renoue l'amitié ensemble, qu'on reprenne comme c'était avant et qu'on oublie toutes ces histoires de filles et de ces conneries. Voilà. Il n'y avait pas un mot qui manque, là. Ça commence par un P, ça finit par un N. Pardon. Je préfère. Vous avez vu, c'est facile, ici. Hein. Tu es étonné par sa démarche? Ah bah plutôt, oui, parce que... Bon, non, c'est pas vous. Quoi? Mais, plutôt. Ah, plutôt, oui. Mais... Vous avez l'air ému, vous avez les mains... Ouais, bah, c'est-à-dire que... Ouais, c'est-à-dire que c'est un ami que je connais depuis très longtemps et qui m'a quand même déçu d'un coup, donc ça a fait mal sur le coup. Déçu, ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus blessé dans cette histoire? C'est une jeune femme dont vous étiez, une jeune fille dont vous étiez très amoureux, ou c'est plus le fait qu'il vous ait, entre guillemets, trahi? Bah, il y a un peu des deux, c'est-à-dire que je la connaissais pas depuis longtemps déjà. Mais bon, j'avais quand même des sentiments pour elle, et puis il y a eu aussi... Et puis il est sorti avec elle, donc ça m'a... Enfin, j'étais pas content, en tout cas. Et ça mérite que pendant un an, vous lui parliez plus? Je sais pas trop, mais... Mais bon, j'ai vraiment été blessé sur le coup. Qu'est devenue la jeune fille? La jeune fille, bah, on s'est appelé, mais rien de vraiment concret. Vous l'avez revue? Comment? Non, je l'ai pas revue. Ah bon? Et vous lui en avez voulu? Ouais, j'en ai voulu. C'est-à-dire que quand il y a de l'amour, enfin, c'est... Même si on en veut, on est prêt à tout accepter. Donc vous lui en vouliez pas trop à elle, plus à votre copain? Voilà, plus à mon copain. Bon. Alors Arnaud, vous connaissez le principe de cette émission. Oui. Je vais vous demander donc de vous mettre debout, ici, face à ce rideau. Voilà, sur la croix. Ici. Ouais. Vous avez déjà pris votre décision là? Je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez? Ça peut être plus important que l'amour parfois. Vous avez les mots. Yann, il avait confiance. Je pense qu'on va repartir sur des bonnes bases. On va bien s'éclater. Et voilà, on va être majeur bientôt. Ça va y aller là. Ça va y aller? Ah, moi, ça va y aller. Ah ouais? Si on pique comme mes petites amies, ça pourra peut-être y aller.